100 jours de prière, 100 ans de la division inter-américaine. Chers frères et sœurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Jour 58. Ne vous laissez pas séduire. Jésus leur répondit : Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant : C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, versets 4 et 5. Pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. En diverses parties du monde, on verra apparaître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse. Ce cri de triomphe déchira les airs. « Le Christ est venu !» Le Christ est venu, les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer. Affable et compatissant, il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis, en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Seuls échapperont à la redoutable séduction qui subjuguera le monde, ceux qui étudient diligemment les Écritures et qui ont l'amour de la vérité. Jésus a prémuni ses disciples contre toute duperie sur ce point en décrivant clairement le mode de sa venue. Il s'élèvera, dit-il, de faux Christ. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, versets 24 à 27. Il n'est pas possible de simuler cette venue qui sera visible pour le monde entier. Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au témoignage même de ses sens? Saura-t-il au cours de cette crise s'attacher aux Écritures et aux Écritures seules? Demandez à Dieu de vous donner un plus grand désir d'étudier ses paroles. Priez pour l'effusion du Saint-Esprit afin que vous puissiez écouter la parole de Dieu et ne pas être séduit. Priez pour que Dieu continue à nous aider à devenir un peuple à la fois solide, car nous savons que des épreuves beaucoup plus difficiles nous attendent. Priez pour Gain Inter-Amérique, l'événement de communication en ligne qui aura lieu du 16 au 18 novembre. Priez pour le programme Disciples Créatifs, en vue d'identifier des moyens créatifs et innovants pour les ministères. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit loué, béni, exalté, d'éternité en éternité. Merci parce que tu nous as rappelé que nous devons nous accrocher à ta parole pour pouvoir résister à la tentation et à la séduction. Nous avons des buts de prière, tant que Père des cieux, que tu puisses dans ton amour les réaliser et nous rendre plus forts. C'est ainsi que nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat, 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église Adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église Adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église Adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org.
Leadership Talk est un programme de l'Église Adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.